Bravo, tu as réussi la mission 1, à toi maintenant de faire la mission 2. Pour ceci, il s'agit de faire exploser cette banque et de l'éradiquer totalement afin de pouvoir après y rentrer et aller la voler. Pour ceci, tu as besoin de 2 balles qui représentent des bombes que tu devras placer de part et d'autre de la banque. Ton robot devra donc partir, poser la première bombe, poser la deuxième bombe et revenir. Il peut très bien poser la première, revenir, poser la deuxième, revenir. Parce qu'à chaque fois que le robot sort du terrain de jeu, c'est-à-dire depuis l'allée centrale, et c'est seulement à cet endroit-là que j'ai le droit de toucher le robot, tu peux très bien recharger ton robot avec une bombe supplémentaire ou alors prévoir carrément un trajet avec les 2 bombes et il les pose les 2. Dès que la deuxième bombe est posée, le chronomètre s'arrête. Il suffit donc d'être très rapide à nouveau, être très précis et être ingénieux. Pour ceci, tu as le droit à 180 minutes pour réaliser tout ce défi. C'est assez long, mais il faut être précis, rapide, efficace. La zone de dépôt des bombes est très simple. Il s'agit de pièces comme ceci, de triangles faits des longues pièces que tu as donc, dans ta boîte V3, assemblées comme ceci en triangle. Et le bord du triangle ici équilatéral est à 30 cm du bord du terrain. Même chose de l'autre côté avec bien sûr la pointe du triangle qui est donc sur la ligne médiane. Ton robot devra donc poser une bombe ici et devra poser une bombe ici. Dès que c'est posé, le chronomètre s'arrête. Bonne chance! On se retrouve après pour la mission numéro 3.